Alors attention, question, est-ce que c'est un téléphone ou est-ce que c'est une oreillette Bluetooth? La réponse, eh bien, c'est les deux. C'est un produit complètement curieux et carrément génial que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors c'est vrai, vous l'aurez remarqué qu'une des plus grandes particularités de ce téléphone, eh bien, ce sont ses dimensions qui, elles, par contre, sont très petites. Un très petit téléphone, très discret, mais qui reste un vrai téléphone. C'est-à-dire que vous allez retrouver des fonctionnalités classiques d'un téléphone. Vous allez pouvoir écrire des SMS, vous allez pouvoir enregistrer le numéro et le nom des deux personnes, de vos contacts, dans un répertoire, et vous allez même pouvoir téléphoner avec. Alors, c'est un téléphone qui est débloqué, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser avec tous les opérateurs. D'ailleurs, ce téléphone est vendu sans forfait. Et ce petit téléphone va encore plus loin, il voit vraiment les choses en grand puisqu'il y a la possibilité d'y intégrer deux cartes SIM. C'est un téléphone dual SIM. Il y a un connecteur un peu particulier à l'intérieur qui permet de faire fonctionner ce téléphone sous deux types de configurations. Donc la première en dual SIM, donc avec deux cartes SIM, et une seconde avec une carte SIM et une carte micro SD qui permet d'augmenter la mémoire interne de ce téléphone. En dual SIM, c'est absolument génial puisque vous allez pouvoir prendre la carte SIM de votre téléphone privé, l'intégrer dans ce téléphone pour appeler et recevoir des appels de votre famille, de vos amis par exemple, et prendre la carte SIM de votre téléphone professionnel, la mettre dans le même téléphone et donc aussi recevoir et appeler vos clients ou votre patron, votre responsable ou autre. C'est super pratique puisque au lieu d'avoir deux téléphones, vous allez avoir plus qu'un seul téléphone. Et du côté de l'autonomie, là aussi le téléphone voit les choses en grand puisqu'il a une autonomie jusqu'à une centaine d'heures en veille. Finalement, il n'y a que du côté du rechargement de ce téléphone où SimValley n'a pas fait des choses très originales puisqu'on le recharge avec ce port micro USB et un câble qui est fourni, et vous allez donc pouvoir le brancher soit à l'aide d'un autre chargeur ou en le branchant par exemple à votre ordinateur. Et une fois que mon petit téléphone Rikiki est chargé, eh bien je vais pouvoir passer mes appels. Je compose mon numéro, j'envoie l'appel et là, alors ça change un petit peu par rapport à un téléphone normal, mais celui-ci je vais l'utiliser eh bien comme une oreillette Bluetooth. Alors il y a plusieurs sécurités pour pas que vous perdiez votre téléphone. Il y a d'abord l'écouteur ici qui est un écouteur en silicone in-ear qui rentre dans l'oreille, qui va vous isoler un petit peu de l'extérieur et qui tient très bien sur l'oreille. Et il y a aussi cet arceau qui fait le tour de l'oreille qui permet donc de sécuriser votre appareil, votre téléphone. Mais il faut savoir que le téléphone fait que 24 grammes, donc même quand on enlève l'arceau, ça tient très bien dans l'oreille. Mais c'est pour les personnes qui bougent beaucoup ou qui sont peut-être en train de courir, parce qu'évidemment on peut l'utiliser maintenant dans toutes les situations et faire ce qu'on veut, puisqu'en plus on a les mains libres. Alors il faut savoir aussi que ce téléphone, vous allez pouvoir le mettre à l'oreille droite, mais en inversant ici tout simplement l'arceau ici, je vais pouvoir l'utiliser aussi eh bien sur l'oreille gauche. C'est pratique. Et voilà. Ce téléphone est aussi une vraie oreillette Bluetooth, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser sans mettre de carte SIM à l'intérieur, mais en utilisant la carte SIM qui se trouve dans votre téléphone, et vous allez pouvoir faire la jonction entre les deux appareils en utilisant donc le Bluetooth, en appairant les deux appareils. Donc en appelant avec votre téléphone, vous allez pouvoir recevoir ici les appels sur votre oreillette, et pareil, en fonctionnant ici, en faisant les appels, ça va donc se transférer directement sur votre téléphone. C'est un curieux mixage, un curieux appareil hybride entre le téléphone et l'oreillette. On ressemble vraiment à un téléphone, il ressemble vraiment à une oreillette. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets curieux et techno comme aujourd'hui.